Gawo Info bɔra ikulu kankuni ka hangarisi ibirikuna sonyoda ibirikansa ibirifo ibirikabarakadawasi ibirikanawasi warugu bisimila iriyawo taruga iriyawo taruga hɔn warakan irina bisimila amantikala pati politiki jinɛ warugu bɔra nɛnɛ keyina irigano shannu amahinka nga bɔn har bɔra isi bɔrkantinga mucintinga partiw mayo mucintigo ikala partiw bite irga shalan ir transition uga irga shalan ir koira halal hay kukam go mati koira sunuda inshallah undu ko wa sunuda irga shalan ga basar bismillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh okay yashin mo shin tinaga ni ira bulu wale ni fele ni bani ha ya gawo info gote kurfo ngir kadra kurfo wala wole ko waro ho wonne ci ka wore mi shoka ti yu taru ka yek ka shilin washin da ay bota ka da barsu ta kan da mali ta do ka kan ina bere ga ay parsu ma yu ga ay parsu yi ze kur ma yu ga e yo ka war fi da wara ban ha e da wara ngura shi da ga ga wa fi kuma ko da jini e da go shin shin tin da wani ga haji no ar gili fondo go e ga fondo ko ta e ga ba ma ni ma ro har wori shi kan go baitin ayo ayi wanti kala yahi ala omega gawo rata ke gawo tashara aso mo gawo bul ay goyo wanti kala ingenieur à réseau informatique et télécommunication ay goyo jiro ti yega kurno université privée là ay ga séminaire de formation dans organisé géré chez pour qui meka du gars qui est anti-informatique, qui est caméra de surveillance et beaucoup d'autres. Voilà, donc, on va dire qu'il y a Alhamdulillah, on a le parti au caché qui est parti, mais il y a deux ans, avec un général. Donc, on va voir les deux fois, il va voir pas rien. Et voilà, merci de nous avoir invités. Ee ya ibn sa'idin furiya albaraka da malinda irchano kangin mi chan ka turishi yeya parti malinde on hakina ngati mu chimpo parti bu fo ay don da warna la sabu parti o mo shikala ba marshi ni wala parce que parti o ala tagati initiateur ko yero bora tagi ne ka ne ga hati ka a shinji ko yero bora diga shinji ka bara parce que tagi ne bara Mali parce que pour voir donc il n'a pas décidé comme il a passé mal là non bon marché n'est pas passé en réalité bon marché c'est chez nous quand on s'est rendu quoi là à Chicago il court voir la bonne il a bien quoi là il a bien chez nous passé mal là qu'il a changé parce que il n'a pas sa boucle à gâteau jirbu et quand hayakur kama tin nak pahun mali bandaga ko ko la fotana la sa le euro ko ye en tout cas ide la kan kama hun bandaga mali se che après que le par gara mati ide hen nan er ni kan so lo wati to e mo be kan ti ko la o kan ti mali bor be la gara bor la kan ko ni gara bor la bor kan da ir mane dir tun ka mane ndi bor ka che en tant que mali ni ka do ir mali che double 4 kare mo ko ir promo ko mo fotana che donc wo shirna pacho ma do passi ma lio akina ne corporation wants kala mali se lakalo mali se sare ir ko ina mali o ko ira beri no zamati ko bora la kan ko ni beri ya mara ko ira ona ajina bora beri mara ko ira ona ko ira o dirje de kashir ko ko kashir chira shin da chumu ir pulo ko mali la beri ka do solution sante mo do na miso comme un exemple par exemple bora kan ga isoro de il paraît que depuis dans les années 1200 là, il y a ce qu'on appelle la charte du Kafro. Kangoro m'a dit, et pour Bouga, il y a des États-Unis de constitution, la charte du Kafro qui explique. Ça veut dire que Mali, ils ont corrigé, c'est-à-dire qu'ils ont corrigé. Il y a l'Empire Wati, Sonia Libère, Tombouctou, Mabé Chokobi, et Kafro Tawara. Donc Mali, il s'y boulot de Kafro Tawara. Il y a le cas où il y a le cas où il y a le cas où linka de pula washina mayo da parsi mallo akina sanda irmin ka guina mali se bunila ka lura fada gore jere da ka sabira masa parti mali de hakina e yaya e aga ban ban ama bangi ka kasu nyo aga to jiri mali parti o ngabe da na parti kire
c'est-à-dire chaque fois qu'on a démissionné de quelque part, il y a parti au Kiri, il y a assemblée générale aussi, il est parti au Kiri. Bon, maintenant, Gorel a gagné pour avoir l'autonomie, pour avoir la capacité juridique. C'est pour tourner jusqu'à Dugadi, c'est-à-dire Warkoué a gagné Kadda Seyfereka. Il gagne quand même pour les CPC, c'est-à-dire pour avoir la compétence du pouvoir avoir les CPC. Donc, parce que les CPC, on a fait un cas Haïtira, le 21 septembre 2021, pour le Kamisa. Mais parce que Kadda Seyfereka a déposé au niveau de l'administration territoriale depuis. Le 20 septembre 2021. Donc, le 20 septembre 2020. Donc, il manque à la CPC, il n'a pas tout, parce que parce que officiellement, parce qu'on a créé le 21 septembre 2021. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un est-ce que parti au Abou Mali Koula? Alhamdulillah, je suis un Abou Mali Koula. Parce que même en dehors du Mali, il y a des militants en France, aux États-Unis, en Arabie Saoudite, en Corée du Sud. Et aussi, sous les régions, il y a des représentants qui sont Bougoura. Mais Mali est région Mbéa. Même si les régions Koula sont Bougoura. Il y a un militant qui est là. Donc maintenant, on travaille à nous implanter et chaque fois, comme vous le connaissez sur les pages Facebook, les pages Twitter, il y a 10 ans, il y a pas tout implanté parce que les activités, il faut avoir un peu de temps. Donc Dieu merci, je suis quand même aux localités de Koula, mais les régions de Koula, maintenant dans la sous-région, il y a beaucoup de temps, dans la diaspora. Ok. Parti au Bangui, que ça soit, vous avez dit que 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 c'est les jeunes quand même Iboba dirait une partie foyante comme ça dirait un mouvement donc il doit être encore participer pour l'homme et pour là ce qui ne va pas dans la politique malienne dans ce qui ne va pas dans la société civile dans les mouvements et autres c'est vraiment partie aux jeunes nous quand même doit être encore malgré pour l'homme qui a les équipes et donc aujourd'hui il réalisera une activité comme Bobo. Ça, c'est dans la formation de la jeunesse. C'est pour moi, les gars, c'est une formation organisée. Comme il y a à l'attente de mon propos, à l'attention de la jeunesse, c'est une formation organisée dans beaucoup de domaines et pour les femmes également. Nous avons dit que nous fait ce qu'on appelle la promotion du sport. C'est-à-dire, les gars, parce qu'il y a un mouvement organisé, nous avons dit que chaque 20 janvier, pour le concours de l'année, il y a un cours de pour la jeunesse de Kati, à un moment j'avais même ça c'est chaque 20 janvier, on organise une coupe à Kati. On est venu à la maison par endroit. Nous participons à la vie de la nation, c'est-à-dire le mouvement en Gono. C'est-à-dire que nous avons dit à Chibouri Kouirachi, ou bien avec Chibouda de Kouiraga, il y a tout le monde qui a été dans la milice, il y a tout le monde qui a été. Et il y a une information de Kati, il est parti, on était membre de M5RF. Ok. Voilà. M5RF est calculé. Nous sommes la troisième plateforme à signer. Okay. Bon, groupement Hizan Tokanka a signé. Plateforme, voilà. C'était le parti, on était une plateforme à l'époque. Ok, alors vous, quand il y a un M5 parti, il y a un 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 Bamako hinano igumate wala region ni chinde mbende shekan gawa her war gonda bor jamaa bor shene ri her or boy ka war gumite ko ro chinde ga do wala bon ko tagge no ya igete moi agé oché d'une autre façon de faire la kalo Mali problème bureau ngati généralement le pouvoir est concentré à Bamako ici et la kalo ra pour que Mali ni moy ko na jine fuké ma région de ville. Oui, il y a une action utilisée, la majeure partie c'est dans les régions. Voilà. Coupo Kirk a organisé à Kati, Kati fait partie du coup de Saint-Kati. Tout récemment, dans la région de Kita, on a organisé une cérémonie le 8 mars, les femmes là-bas. On a les dames du parti qui ont
fonctionnement contribue à ça. Est-ce que ce ne sera pas un problème dans les régions? Parce que nous pensons que pour que Mali Mokou n'est Guinée aujourd'hui, comme je l'ai dit, je vais le répéter, il est très bon qu'il m'a oui, et les régions sont développées. La région est développée, à gagner 400 euros, nous avons combien de développés. Mais sans ça, si tu le pouvoir le constater, toujours constater à Mokou, et que les régions ne se développent pas, c'est un problème. Parce que, un exemple, Mali Mokou n'a pas agriculture chez Mokou Mokou. Il faut qu'il y ait des courses dans les régions. Donc, dans les régions, il y a des élevages Allemagne, c'est dans les régions. Nda il faut des bérés régionaux, dire Allemagne bérés régionaux. Mais dire si nous avons des haines, quand il y a les produits cultivés, dire si nous avons accumulé à temps de Mako, c'est un grand problème. Il y a des activités, il y a des haines Allemagne qui dit bérés. Dire si nous avons facilement à Mako, c'est un problème. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Pourquoi nous disons qu'au sein du parti malinois, il y a de la colotie, il faut mettre l'accent sur les régions. Voilà, ça va en fait, c'est la chose. Donc, l'action, c'est vraiment également concerné dans les régions. Ça concerne également les régions. Donc, il y a un soignant, il y a un charabande, et à côté, il y a un diri, il y a un haïti, il y a un mali, il y a un haïti, 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 il y a un Il faut que je remercie Ibrahim. Ce que déjà, moi, par principe, je suis contre le coup d'État. Okay. Pour quand le coup d'État, Sojama, Malfaza, Kaka, Hiniza, moi je suis contre. Le coup d'État, opposition de. Et ça, c'est une chose que j'ai encouragé. Et j'ai encouragé, et je me. Comment on dit, et je ne veux pas nous associer à ça. Voilà, donc, opposition de coup d'État, on est bourri. Et il faut qu'il y ait d'abordité pour l'État et le Mali. Parce que le match de c'est que Kouira Mali, mais l'État, c'est qu'elle part dit au président. Et je n'ai qu'un petit politique qui est charme. Mais pour l'État, c'est un vrai frein au développement du Mali. Donc vraiment, je suis contre ça et je n'encourage pas. Il faut qu'il y ait d'abordité pour l'État et le Mali. Takati yano da fonda ra mutum ti lakkale kan goma ne so yau da kan da inite wannan da gina bore inite ya hingir ka tare shi ta wa kallo la première des choses c'est que pour ma femme la gouvernance des pays ça donc d'accord ta kana ko la ko la dirige pour que pour ma femme ça ko la zai ko la malite mali mali mana be ka dirige ka tsar soje sha mana be ka donc modo ki ta kan ka Il a été renversé par Moussa Traoré qui avait 23 ans, Bouridia. Après, Soja Fona Kourita Tine Mouchi, qui était attité, qui a passé le pouvoir. Après, quand Kabo Fona Mika Kourita Tine. Donc, les militaires ont toujours contribué à la gouvernance du Mali. Donc, quand tu regardes la sous-région, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, Mauritanie, partout, quand tu regardes la Côte d'Ivoire, quand tu regardes la Côte d'Ivoire, des problèmes. Mais ils ont compris que Le coup d'État n'est pas la solution, ils sont en train de travailler pour que Haïkashi Gori, Gomagoui, qui corrige Kena 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 avance. Voilà, donc c'est vraiment ça. Parce qu'aujourd'hui, dans le coup d'État, tu vas mettre le monde direct sur ton nom. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont fait un bon fait de fatah sur les réseaux, il y a des gens qui ont fait un bon fait de fatah sur les réseaux, il y a des gens qui ont fait un bon fait de fatah. Non, c'est pas ça parce qu'en réalité, et ça amène plus de division que le. C'est vraiment ça. Donc, ma solution, quand on m'a dit, il m'a fait un cabinet quand il dit le coup d'État n'est pas une solution pour le pays. Ça, c'est un. Et de deux, il m'a attaqué, pour qu'il n'y ait pas de pouvoir, que ce soit un président qui a fait un coup d'État, ou bien qu'il y a un politique qui vient, ou bien quelqu'un de la société civile, là, qui a au pouvoir, il m'a attaqué à ma gouvernance améliorée, il m'a attaqué à ma gouine et chimou, il m'a fait un cabinet pour dire Mme Dinga. Quand vous voulez repousser, on fait un cas pour les filles. Et le grand problème au niveau de la gouvernance, c'est vraiment ça. Voilà, ça dit que nous avons un cas, nous avons un cas pour les filles, nous avons un cas pour les filles. Et voilà, nous avons un attaque de pouvoir. C'est vraiment ça. Donc il faut qu'il m'envoie pour que quel que soit le dirigeant qui va venir, on va la gouvernance améliorée. On va gouverner Chimo, on va gouverner la candidature de police et Gabaga. On ne peut pas malien pour même si c'est les 20 millions de maliens disent on est avec toi, machin, on ne peut pas gâter. On ne peut pas tôt ou tard, ça va être la tête.
Donc il est cas régime au Burkina Faso deux ans aujourd'hui et aujourd'hui Burkina Faso a gagné la calenda transition pour la calé qu'on a cherché fin transition pour les Burkina Faso qui n'ont pas gagné le Burkina Faso à Chine non c'est les apatrides comme ça donc c'est comme si la même chose qui se faisait sous Ibeka n'a pas été dit avant donc on n'a pas progressé en fait on n'a pas progressé parce qu'on suppose que on devait dépasser cela et aujourd'hui Burkina Faso transition généraux la première des choses aujourd'hui, c'est qu'il me quand il me voit, quand il me voit, il ne faut pas qu'il joue à la division. Et il faut qu'il m'aille pour le moment, il m'aille pour le moment, il m'aille pour le traité de l'Hachiré, des trucs comme ça. Après, par exemple, si je suis dans quelque chose, et que je vais rentrer au fourreau, et que je vais aller au coach, et que je vais aller au coach, je vais aller au coach, et que 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 je vais aller au coach, je dois prendre le temps de se faire car on a arrogant au rien. Chaque fois qu'on a est-ce que tu m'as dit maintenant que nous avons une carte promotionnelle dans notre cas de boulot, je dois faire cette analyse. Malheureusement, c'est ce qui nous manque au niveau du sommet de l'État. C'est ce qu'on cache. Dès que quelqu'un a critiqué une, je suis pas du temps qu'on a critiqué analyser mais tout d'un coup on a regardé la patrie. Donc devant le choix, même s'il a des bonnes idées, à chaque moment. Donc voici pourquoi on a eu aujourd'hui transition. Il faut que vous m'y accompagniez. Vous n'avez fait la critique pour le moment, il n'y a qu'à le nom. C'est pour quel point, pas pour le nom de chez Sani, parce que toi, tu es vite d'appeler comme moi. Donc, moi, je ne suis pas contre la transition. Moi, je suis pour le Mali. Voilà. Et que, bah, au Boui, d'Aboui, Gabo, je suis là quand le Gabo, Gabo, le Kone Guinée. C'est vraiment ça, moi, la façon de voir les choses. D'accord. Il y a un gars, Kone Guinée, à la Sonyon d'A et Rain Leda. Il y a un embargo, il y a ça, janvier 2021. Donc, à la Sonyon. Donc, il m'a dit 2022, à tes chités, il y a quoi rache. Mais tu n'as pas l'embargo au Congo, Mali, à ton fond. Il y a une question de l'Ukraine. Tu sais, on a l'habitude de dire que la gouvernance, c'est prévoir. C'est un homme où il y a. Il y a une marie. Une marie. Sur le Kabla. Sur le Kabla. Oui. Sanction quand c'est la honnête à Mali le 9 janvier. En réalité, sanction quand on pouvait l'éviter. On pouvait l'éviter. Il y a une réponse pour nous. Il y a une réponse pour nous. Il y a une réponse pour nous. Et quelque part, on a même tenté de dire qu'ils ont fait exprès. Voilà, ils ont fait exprès pour jouer sur la fibre authentique des gens. Voilà, cela, on pouvait l'éviter. Et aujourd'hui, pour les gens qui ont été malades, ils ont été malades. Ils ont été malades. Ils ont été engagés dans le développement forum, que ce soit au niveau de la sous-région, même au niveau international. Les responsables du Mali faisaient tout pour ne pas être indexés. C'est-à-dire, imaginez quand Mali n'a pas une organisation. Mali, quand Bachin dit Mali, quand Mali n'a pas un nom, il y a un ils ont tout fait pour ne pas pour le Mali ne soit pas dans cette situation. Donc aujourd'hui, sanction comme c'est au Nazar, le 9 janvier, sanction au Burundi. Moi, dans la forme et dans le fond, c'est moi qui suppose que quand on a marfaza ka hinoji, n'angé Burundi quand il n'y a pas de chair dans le pays, ni nos camions responsables des zaïs, c'est maximalisé. Again, n'angé quand je viens de Manahelo. Nous, on n'a rien fait pour qu'on ne les a même pas appelés dans le cas de la Marocaine. Donc, la sanction est Zandi. Sanction aussi, c'est Zandi. On a des deuxièmes citoyens. Je suis Zandi contre nous. Je suis contre nous. Mais plutôt, la CEDEAO devait prendre des sanctions visées. C'est-à-dire, pour qu'on ne soit pas un coup d'état, on ne soit pas un coup d'état. Ça, c'est à eux de voir ça. Pour les Camerounais qui sont complices de cela, quand ils sont oui, mais qui s'en fait, mais pas le groupe malien. Donc, l'embargo là, c'est-à-dire le
saisir les biens de l'État au niveau de la BCAO, fermer les frontières, n'arriver en ça, ça n'arrivait pas être. Je ne sais pas comment ils apportent le. Parce que ça va impacter la population. Vous voyez, quand ils ont quand ils ont une catégorie qui garde les millions, ils n'ont rien à voir avec cette affaire. Donc c'est le simple citoyen qui est en réalité sanctionné. Donc c'est pourquoi je dis que c'est la sanction après le Bori. Il devait prendre des sanctions civiles. Le Bori Kanda, qui est en toute connaissance de ces choses. Par exemple, Morgan Kouletati, le Kouletati, selon la 520 de la Constitution, c'est un crime imprescriptible contre tout le peuple. Pas contre une seule personne, mais contre tout le peuple. Donc, avec un dangereux, on va faire un coup d'état qui est beaucoup. Donc, la personne qui va accepter de s'allier ou bien de se faire complice de cela, parce qu'elle n'a pas fait un dangereux. Donc, aujourd'hui, la CEDEAO devait prendre des sanctions ciblées, et non des sanctions contre. Mais, il y a une mille de la calore, mais tu ne veux pas que tu aies un embargo ou une mille. Son raquet, il y a un embargo ou une mille. Avant, aujourd'hui, il y a un débat que vous faites à jouer dans notre plateforme. J'ai toujours dit aujourd'hui qu'il ne faut pas aller à la confédération. Parce qu'aujourd'hui, en réalité, les dirigeants maliens sont en train de jouer sur la fibre patriotique de la population. Moi, je vais dire les choses comme telles. Voilà. Ils sont en train de jouer sur la fibre patriotique. Avec un malien, il n'écoute qu'un malien. La population, il n'écoute, il n'y accompagne. Jusqu'à ce qu'il n'y ait pas un moment donné, il n'y aura pas une population qui allait contre lui. Donc aujourd'hui, en réalité, il m'a dit, c'est urgentement, rapidement, qu'on aille cette confrontation. Responsable du Cameroun, déjà, ils ont fait déjà plus d'une année et 8 mois. On est dans. Plus de 18 mois. Voilà, 18 mois et 20 déjà. On est dans les 1 année et 8 mois aujourd'hui, même plus. Donc aujourd'hui, il n'a rien été ignoré. Maintenant, il faut qu'il m'accepte, il m'a aidé d'abord, qu'un délai est raisonnable, non, ils vont me sanctionner. Parce qu'en réalité, la sanction. Parce que quand les gars, c'est pas vrai. Aujourd'hui, la population est dans des problèmes. Aujourd'hui, la gouvernance est dans des problèmes. Aujourd'hui, les partenariats entre les médias, entre les plateformes et les médias autres, les partenariats sont aujourd'hui beaucoup affectés aujourd'hui par ces sanctions-là. Donc, il faut qu'il y ait des délais raisonnables, nous, et un délai de 12 mois, c'est largement 5 septembre. 12 mois, 14 mois, 5 septembre. Je vais à Kamiga Tchitchkoïn. Après plus d'une année et 8 mois déjà. Donc, il faut qu'il y ait des délais, après même moi, accepter qu'un délai raisonnable, nous. Et bien, nous voilà. Maintenant, dès qu'on a voulu être présenté pour les élections, ils n'ont qu'à présenter leur candidat. Personne ne contre cela. Mais il faut qu'on quitte dans ça, qui a déjà mis le pays à genoux. Aujourd'hui, ils sont en train de dire, parce que c'est que c'est le niveau de l'Igaboui, il faut que Tanchon m'a prolongé. Et le forum est pour qu'un ministre a nommé Ibn Vigilante. Non, c'est pas ça, c'est pas responsable. Est-ce que le monde est en réforme pour qu'un Iga et Tamaha, qu'un Iga va limiter? Il y a une qui était son nom. Voilà. Le premier ministre qui est là aujourd'hui, je n'ai pas trop parlé du premier ministre, je suis bien quand c'est un parent. Avant que Imiti, il avait dit que la transition c'est justement ni plus ni moins. Et que les réformes cachent une carte, qui laisse les réformes à un régime légalement élu, parce que c'est un régime légalement élu qui est mandaté à mener des réformes. Même si après, il faut le dire, après, à Hong Kong, c'est vraiment déplorable. Maintenant, Hakiga a une réforme, toutes les réformes qu'il y a, ce ne sont pas des réformes qui vont au-delà de 6 mois en réalité. Le fichier électoral, c'est un travail de 3 à 4 mois, on peut le faire. Les réformes électorales, institutionnelles, il n'y a pas besoin de 6 mois pour le faire. Il faut aussi. Il n'y a pas besoin de 6 mois. Parce qu'en réalité, au Mali aujourd'hui, on a besoin de gens efficients, de gens performants dans le travail. On n'a pas besoin de gens qui traînent. Parce que chaque fois qu'on traîne, on met à genoux le pays. Et si on a des ressources qui viennent, qui sont incapables d'être efficaces dans la gouvernance des choses, qui ne peuvent pas travailler dans les délais donnés, je m'occupe de la recherche. Ça peut faire mal à d'autres, parce qu'aujourd'hui, Banco est le plus important, je vais le dire, pour le premier, je ne sais pas, chez Marani, Fichier ou correction de liste électorale,
ina hay ku ka ka jara nga tam ha ko wodi ngi kete ako che ba ba def ma do ma set mo mo no to fer election parce que déjà on a perdu une année 8 mois relative sur le volet élection et réforme institutionnelle réforme politique rien n'a été fait après une année et 8 mois rien n'a été fait c'était même pas la 7e année avant que observatoire manga boyoti le premier ministre Moutarwakan était là. Ils avaient déjà avancé sur le même, ils ont affiché. Avec le même ministre de la Santé. Ils avaient mis en place ce qu'on appelle le CES, un cadre pour travailler sur le réforme. Tout ça là a été bonnement mis en place. Donc il y a une mauvaise volonté dans cette affaire-là. Sinon, effectivement, aucune année. C'était là. C'est pourquoi moi j'ai dit 12 mois, c'est largement suffisant. 12 mois, c'est largement suffisant. Maintenant, encore une fois, tu m'excuses. Au Mali, aujourd'hui, il faut que la population, il faut que la population veille. C'est-à-dire, si on a des responsables, il faut que ces responsables soient efficaces. Il faut qu'ils comprennent qu'ils travaillent dans un délai. Et quelqu'un qui n'est pas efficace ne peut à aucun moment respecter un délai. Parce qu'il n'est qu'à nous, il n'est pas dedans, c'est pas ça dans sa tête. Il ne veut même pas travailler dans ça. Il faut que nous travaillons à avoir des dirigeants efficaces, capables de travailler dans un délai. Aujourd'hui, ce qui est mis en avant, ça, c'est l'insécurité. Pour quand même insécurité, oui. L'insécurité au Mali, ça n'est pas d'aujourd'hui. Une insécurité, ce n'est pas une question de 2, 3, 4, 5 ans. C'est un travail de fond, un travail de l'État. Aujourd'hui, c'est vrai qu'ils disent que l'armée monte en puissance, la sécurité augmente. Comme il y a beaucoup de plateaux dans l'info, il faut. Il faut quand même la sécurité augmente. Hayati, il y a des Hayati. Mais il y a beaucoup de reste à faire. Il faut qu'on fasse beaucoup. Par exemple, pour quand même au Gaoshi, quelle sécurité a amélioré le Gaoshi? Quand on pourra passer ici, on parle sur Gao Info. Vous êtes au courant de ce qui se passe à Gao. À Gao, dans la région d'Ansongo et dans la frontière avec le Mali et le Niger, ça ne va pas depuis des mois. Ouais, ça, c'est vrai. On ne peut pas dire que la sécurité a augmenté, même au sein de Gao Ville, à tel qu'un arrivée, ça continue. Vraiment. À Gao, on a raison. Dans Nazaron, Gao, il commune. Kango Issa Mio Banda, où il nous voit à Ginkane, à l'Afrique, que tu bourses, Mandan Naza, Kumine Kango Sadora, in the intelligence, and Zai, Nashawa, and Zati, and Sien, Irshinka Kuitakandriaba, Irshinka Dirataka Kandirawati, and Dog Banu Jana Fandara, Irhundi Gawa, Agashubula Kitu. Voilà, donc, comme tu l'as dit, le M5 européen, on était la troisième plateforme à signer. Lors de la cérémonie déjà de la légion qu'on a organisée à l'époque. Vilo et Bono, quand on a vu la Bétiagone, donc a intervenu. J'étais la troisième personne à intervenir. Donc aujourd'hui, on n'a pas de problème avec le M5RP. Je suis à Genda, on est toujours en contact, mais chez M5RP, là, on n'est pas. Voilà, on n'est pas. Mais comme je l'ai dit, ça, le jour où Soye Naïbeka dit qu'il a démissionné, quand il a pris sa démission, et on a organisé une cérémonie de remerciement de la population quand il est tombé. La dernière grande rencontre qui a été tenue au boulevard, quand Soye Naïbeka, Zahanodin, le Malien Akina, le parti Malien Akina, a décidé d'arrêter sa participation à la MSN. On a adressé un courrier à la direction pour cela, nous nous sommes résolus parce qu'il est. La lutte vraiment de M5, c'était pour que l'IBK, en toute indépendance, en toute transparence, sans que Jinjinda ait exploité, a démissionné pour les compétences. C'était vraiment ça l'idée de M5. Donc, dès lors où ce résultat a été atteint, nous on a arrêté notre participation à M5. Mais aujourd'hui, on n'a vraiment pas un problème avec le M5. Moi, personnellement, je suis en contact avec quelques membres au Namur. On n'est pas en contact avec le M5. Et c'est pareil pour la création. Et le cadre d'échange des partis politiques. Le cadre d'échange des partis politiques également, parce que maintenant, on a changé. Voilà. Mais nous sommes en train de travailler sur une plateforme pour préparer les échanges futurs à venir là. Ça, c'est avec le parti Yélema. Le parti Maïdou Hakina et le parti Yélema sont en train d'organiser une coalition pour les échanges à venir. Donc, le cadre pour projet d'avenir, le parti Maïdou Hakina, projet d'avenir. Ngiti les échanges là comme on dit on a les mains et voilà il faut que nous nous projet un parti politique d'abord c'est pour lever les consciences c'est-à-dire la formation l'accompagnement de la population voilà
amène des idées à la qui contribuent au développement du pays. Mm-hmm. Ça, c'est ce que nous faisons couramment à travers des communiqués, à travers des radios, à travers des débats comme ça. Mm-hmm. Parce qu'un parti politique, ce n'est pas premièrement pour exercer le pouvoir, ce n'est pas ça. Votre parti, on a laquelle est le bruit, ou à laquelle est le nard, ou à laquelle est les échecs. Ninka Kaboui, la Mali a développé. La Mali a développé, Baron a dû présenter au Baron à pouvoir voir le gouvernement. Ça, c'est la première des choses. L'élection était voir participer à l'élection, là. Comment voir le présenter là. Ça, c'est un bonus, ça, c'est plus. Là, on a une idée, vous pouvez la mettre en œuvre. Ça, c'est vraiment ça. Ce qu'on fait comme projet, c'est aussi de contribuer à former les gens. C'est beaucoup d'autres plans. On a des formations en vie. C'est aussi d'impacter la population à travers la promotion du sport, à travers l'agriculture, l'élevage, tout ce qu'on fait. C'est vraiment, on est vraiment dans ça. Voilà. Aujourd'hui, on n'est pas membre de la transition, mais on supporte la transition parce que Mali a venu dans le bord du Chaka Bouli. On n'est pas membre du cadre de parti, mais nous travaillons quand même pour émettre des bonnes idées pour le pays. C'est vraiment ça. C'est pourquoi les initiatives comme Gawa et Info, on les soutient. Parce que Wargo Bouli, là, il faut racheter là aucun organe organisé. Je suis un peu plus de temps. Na mali kwenye chini, ili dogo kanti gawo, gawo wanyika kwenye jine, sile masa. Donko gawizi ima chereji, ima nipon hawe burkanga bure manipuliko. Vrema, gawizi ito mihin, rejim kurkanka gawo ne rejim kur faba, tout le temps, on revient à la case départ. Aujourd'hui, la jeunesse nda gawo yi, ma fenda a tout burishan, fata ka manifeste pour le régime, fata ka manifeste pour la population. Et ma guna, s'il y a des trucs palpables, s'il y a des projets de développement palpables, s'il y a des choses, quand il y a Gawa qu'on est généreux, on peut sortir pour apporter une solution. Aujourd'hui, Gawa Fonda, dans NASA, c'est un capeur. Il a été fait pour améliorer le village de Gawa, c'est vrai que Gawa n'a plus de quotidien. C'est vraiment ça. Quel projet important dans la région de Gawa, à Chino? Et au même moment, on continue à faire choisir les gens qui ont apporté toute une attention, je soutiens ça, je soutiens tel politique. Donc, ça n'a pas de sens. Donc, on Gawa, il y a un mot de il m'a dit, je ne sais pas, il m'a dit, il faut qu'on, même, qu'on ait un espace d'échange sur les vrais problèmes du Gao, organiser un forum pour ça, si possible. C'est vraiment ça. Et aujourd'hui, Gao, moi, Mali, Goyola, Gao, moi, Goyola, Banda. Cette région, Nakoula, Sabou, après l'indépendance, il n'y avait que 6 régions au Mali. Et Gao était le chef lieu des régions du Nord. C'est Gao, c'était la région de Gao qui a enlevé tout ça. Donc Gao n'est pas petit dans cette affaire. Gao doit jouer pleinement son rôle pour le développement du Mali. Aujourd'hui, il faut que Gao, le développement du Mali. Parce que Gao, on a toujours eu des cadres dans ce pays-là. On a eu des premiers ministres, on a eu des ministres, tout. Malgré tout ça, Gao. Bon, il y en a un qui m'a dit. Oui, comme on a dit, il y a une minorité, mais c'est insuffisant. Il faut qu'aujourd'hui, Gao, oui, il me tient à dire, quand il y a une Gao, oui, quand il y a une Gao, oui, Mali, il n'y a pas de Guinée, il y a encore plus. Voilà, il y a un grand salaire du fond, il y a un barcade dans le Mané, il y a un maire de l'Ibrahim Fabi, il y a un barcade dans le Mané, 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 yeya adama meiga kangati mali de hatina nga parti o shi dina boro ergene warse inshallah de ko akal hanfo wassalam.